Et salut à toi et bienvenue dans l'aventure. Aujourd'hui, on se retrouve sur ce fameux jeu de Shunrunner. Alors, nous sommes sur la dernière carte de la saison. Nous sommes sur la fameuse forêt brûlée et nous sommes en pleine exploration de celle-ci à bord d'un 4x4. Que ce 4x4 est un 4x4 en version mode qui s'appelle Hulk. Je sais plus trop quoi, j'ai plus le nom en tête, mais comme je vais te montrer. Et le but, c'est aussi de te montrer en même temps les polyvalences de ce fameux 4x4. Donc comme tu peux le voir, il est quand même bien équipé au niveau accessoires. Et donc ce fameux 4x4, c'est le Hulk Track Ring. Alors c'est un 4x4 qui est peut-être pas très rapide, mais qui a un certain intérêt aussi de l'avoir dans sa collection. Donc aujourd'hui, nous allons faire tout simplement de l'exploration. Alors j'ai commencé un petit peu à faire de l'exploration. Et nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement aller sur les tours de guet, comme tu peux le voir, pour pouvoir eh bien, voir un petit peu plus près cette fameuse carte, en espérant qu'on aura assez de gageoles pour faire cette opération. Parce que dans la seconde partie, que je risque peut-être aussi de mettre en ligne, ça va être tout simplement eh bien, d'amener ce fameux camion qui se trouve ici au parking qui est ici. Donc, bien sûr, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver au fur et à mesure de cette exploration, des différentes missions qu'on va faire. Donc, si tu ne veux pas les louper, bien sûr, n'oublie pas à t'abonner à la chaîne. Tout ceci est totalement gratuit de s'abonner à la chaîne. Et en plus de ça, aujourd'hui, je fais une petite expérience. Je suis en train d'enregistrer cette vidéo avec l'application de la fameuse Intel Arc pour pouvoir un petit peu voir ce qu'elle est capable de faire avec son encodeur. Donc j'espère que la qualité sera quand même bien au rendez-vous. J'espère que le son sera correct aussi, parce que tout passe actuellement par la carte. Et puis dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu penses aussi eh bien, du rendu de cette carte au passage. Ça, tu vois un petit peu eh bien, les performances sur du Direct 11 sur le fameux jeu de Shunrunner avec de l'Intel Arc, la fameuse A770 que j'ai présentée sur la chaîne pour information. Alors, je pense pas pouvoir passer par là. Je crois que je vais rester sur ma route encore un petit peu. Alors, nous allons bien entendu préciser une chose que pour ceux qui veulent acheter ce jeu, n'hésite pas à aller passer sur le lien affilié de mon partenaire, ou comme ça tu vas pouvoir profiter pleinement de l'aventure de ce jeu avec des réductions très intéressantes. Et puis pour ceux qui veulent peut-être avoir la chance d'être tiré au sort lors d'un concours, qui est gratuit bien entendu pour s'inscrire, tu as aussi le lien qui est affilié, donc n'hésite pas à passer, voilà, par ce lien-là. Car la grande majorité des jeux que tu vois sur ma chaîne, c'est des jeux qui sont passés par mon partenaire. Et du coup, j'ai pu avoir la chance d'avoir des fortes réductions sur des jeux ou sur les autres plateformes. Et bien, très souvent, une fois, on paye plein pot le jeu. Ou des fois, on peut avoir des petites remises, mais c'est vraiment mini. Là, on peut avoir des remises jusqu'à 95% dans certains types de jeux. Donc, t'imagines bien d'avoir une telle remise, c'est toujours agréable. Même si c'est que 50% de remise, c'est déjà très bon à prendre vu les temps qui courent aujourd'hui, que tout est très cher. Peu importe ce qu'on veut acheter, ça devient très compliqué, à part les trucs qui ne servent tristement à rien, bien entendu. Mais ça, c'est un autre sujet. Et je profite de même temps, tant que je suis lancé, de souligner que mais prochainement, on fera de plus en plus de directs, des parties comme ça en direct. Sur une autre plateforme qui s'appelle Twitch, où tu vas pouvoir tout simplement eh bien, profiter de mes aventures. Et bon, pour le moment, j'attends tout simplement que mon opérateur décide d'installer la fibre. Donc, ça ne devrait pas tarder, logiquement, moi que je fais cette vidéo, ça ne devrait pas tarder à arriver. Pour te donner le meilleur du meilleur qui m'est possible de faire dans ces aventures. Allez, on va lancer, on va couper le moteur et on va lancer une petite animation.
Alors, on ne sait pas si c'est du brouillard ou si c'est pas plutôt du feu. Alors, on a quoi de beau dans cette découverte? Ok, on a un entrepôt qui se trouve. Ouais, l'entrepôt qui se trouve là-bas. On a une fameuse carrière. De toute façon, dans toutes les cartes, on a toujours une carrière quelque part. Là, on a un véhicule, donc je pense que celui... Bon, celui-ci, je l'ai déjà, donc c'est pour une mission. Ok, donc maintenant, on va aller sur... Sur... Il n'y a que deux tours de guet. Apparemment, ouais, que deux tours de guet. Donc, on va aller sur la deuxième tour de guet. On va regarder un petit peu le parcours à effectuer. Du coup, il faut qu'on arrive, je pense, plutôt. Allez. Voilà. On va mettre un petit point ici. On va mettre un autre petit point là. Et notre encrochement. Et là, on va essayer de descendre. Ah, il y a un fort ralentissement, je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que c'est le chiffre d'encodage qui est passé peut-être prioritaire face au jeu? À droite ou à gauche? Hop. Par ici. Là, ça rame mais fortement, mais vraiment fortement. Peut-être que toi tu n'auras peut-être pas le ressenti, mais moi je vais te dire que là je le ressens fortement. Alors comme tu peux voir un petit peu la carte en termes général, le parcours qui est devant nous et qui est quand même un parcours qui est vraiment plaisant, honnêtement. Par rapport au jeu de cartes où c'est vraiment des fois très technique, là honnêtement, même avec un camion basique, tu peux vraiment te faire plaisir sur la carte. Je vais même t'avouer une chose que de temps en temps, même si je fais pas de mission pour en parler, juste prendre mon petit 4x4 comme ça, me balader tranquillement en forêt, voilà, c'est une chose que j'aime bien faire de temps en temps comme ça, juste pour le fun. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la première carte d'exploration de cette semaine, dernière saison, n'hésite pas à aller faire un tour aussi parce qu'elle est aussi intéressante à découvrir au passage. Avec ces petites nouveautés qui sont vraiment intéressantes. Que je rappelle, on a trois camions de pompiers qui sont à débloquer sur la carte. Il y aura différentes missions. On a en plus de ça le garage dès le départ à construire. Ou à finir de construire plutôt. Donc je trouve ça vraiment mais fun. C'est vraiment fun d'avoir des nouveaux véhicules et des nouveaux aussi équipements.
Quand je parle équipement, c'est-à-dire qu'on a désormais on a une citerne d'eau. Donc ça, c'est aussi bien d'avoir aussi des nouveaux accessoires compatibles avec d'autres véhicules. Approche de notre tour de guet gentiment, tranquillement. On profite du paysage. Et pour ceux qui voudront pas louper bien sûr les prochaines aventures, il faut pas oublier la cloche d'alerte, parce que même moi je sais pas quand c'est que vont sortir les prochaines aventures. Donc si ça t'intéresse, bon, je vais carrément retourner l'arbre de l'autre côté. Et comme ça en même temps, je profite de souligner que tous les prochains jeux que tu verras sur ma chaîne, qui sont datés de cette fameuse année 2023, qui sont enregistrés plutôt en 2023, ce seront des vidéos qui seront passées sous la Arc. Donc tu pourras voir un petit peu les performances que la Arc va mettre dans le jeu. Et ça, c'est intéressant aussi de le souligner. Allez, on va couper le moteur et on va lancer la petite animation pour admirer le paysage. Qui est magnifique, mais vraiment magnifique. Alors, du coup, on a quoi d'intéressant qui est découvert? Ah, on a notre véhicule ici. Ok, encore une nouvelle mission véhicule. On a un autre véhicule ici. Ok. Donc là, ce qu'on va faire pour terminer la partie, on va essayer de... Ah, attends, c'est quoi? Ah, encore un autre nouveau véhicule. Donc on aura beaucoup de missions de véhicule. Et ça, j'aime bien le dépannage comme ça. Je trouve ça, ça change un peu de faire toujours des missions de bois, des missions d'aller chercher du ciment. C'est des missions de dépannage. Je trouve que c'est aussi cool d'avoir de temps en temps aussi ce genre d'opération. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rejoindre la route ici. Pour aller par là-bas pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a de ce côté-là et juste pour comme ça juste observer et après eh bien, ça sera la fin de cette aventure d'exploration. Elle continuera dans une prochaine bien entendu. Du coup je suis si je vais essayer de descendre, je vais essayer de couper à travers, je sais pas si c'est une bonne idée. Là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est finir le gasoil qui reste dans le véhicule tout simplement. Alors, attends, avant toute chose, je vais voir au niveau du carburant. Ouais, il me reste encore 40 litres. Je peux y foutre. Voilà, là, il n'y a plus du tout de carburant. Et apparemment. Il y a l'air de pas avoir de station de carburant sur la carte. Je dis bien apparemment. Est-ce que je prends le risque de descendre? Voilà, on y va. Ça risque de faire mal, mais on descend. Elle est retombée sur ses roues, super. Alors là, il y a Luna qui vient d'aboyer, c'est ma chienne, comme d'habitude. Bon, mon véhicule est dans le trou, ok. Alors, ce qu'on va faire, si c'est
possible. On va essayer. Et voilà, bon, on a bien morflé quand même, mais c'est bon, c'est passé. Allez, maintenant on va aller se diriger vers le point où il y a la route. Il nous reste 53 litres à consommer. Ça trache, ça trache, ça trache. Ok, là il y a un truc bizarre au niveau de la map. Allez, on est parti. Allez voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a plus loin sur cette route. Ah, il a bien morflé quand même le véhicule. Descente. Et là on arrive dans une zone où c'est tout cramé. Ok. Ok. On est passé sans trop de difficulté. Ouais. En même temps que ça crépite dans la forêt, c'est toujours en train de cramer tranquillement. C'est bien triste. Ah, il y a un camion là-bas.
Il y a aussi une voiture sur le côté. Ok. Ah, une remorque. La découverte. Ouais, continue. Ouais, un grand accident, ça j'imagine bien. On va en avoir des missions de dépannage, on va en avoir pas mal, et ça a du coup. Enfin, peut-être qu'on va pouvoir utiliser le plateau. Le plateau de dépannage. On dirait qu'on a un entrepôt. On a découvert. Waouh, l'entrepôt il a morflé, il a pris feu, l'entrepôt. C'est le bonus de fin. C'est le bonus de fin de cette partie. Oh là là, c'est bien triste. Alors, est-ce qu'on va avoir peut-être une mission pour réparer ça? Peut-être bien. Comme ça sert peut-être d'un point de dépôt, peut-être qu'on aura une réparation à faire là-dessus. Il y a que ce petit hangar là-bas qui a l'air de pas te toucher. Ah, on a découvert un kit d'amélioration, cool. Mais on va aller le prendre le kit. Et c'est un moteur qu'on a débloqué. Ouais. Voilà un petit peu de quoi on va s'attendre ces prochaines aventures, donc beaucoup de dépannage à effectuer. Il y aura aussi des tâches intéressantes qui sont classiques, on va dire. On fera aussi, bien entendu. Donc si tu veux pas bien sûr bah, louper ces prochaines aventures sur Smash Kart, je t'invite tout simplement à ne pas oublier d'abonner. Pour ceux qui veulent profiter d'une réduction sur le jeu, n'hésite surtout pas de passer par mon lien affilié pour avoir des réductions sur le jeu. Vraiment, n'hésite surtout pas. Sur ce, on va se retrouver pour une prochaine aventure. Et pour ceux qui veulent continuer l'aventure sur la chaîne, ils peuvent aller cliquer sur une des vidéos qui sont hop là, ouh là, qu'est-ce qu'il me fait ? Qui sont désormais logiquement présentes. Aïe. Et donc voilà, on a terminé notre fameuse découverte. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine pour ma part. Et d'ici là, il faut toujours rester curieux. Allez, bye bye à toi.